Bonjour Chloé, est-ce que tu te rends au travail en bicyclette? Oui, c'est plus respectueux de l'environnement et cela permet de faire de l'exercice. Salut Charlie, pour le prochain week-end, tu as prévu des loisirs? Absolument. Je compte m'adonner à divers passe-temps, peut-être visiter une galerie d'art ou assister à un concert. Tu as des nouvelles de Charlotte? Ça fait longtemps? Oui, je l'ai eue au téléphone. En ce moment, elle n'a pas beaucoup de temps libre. Elle passe la plupart de ses journées à la bibliothèque. Salut Clyde, dis-moi, il y a un festival de neige à Toronto? Oui, on organise un grand événement festif au parc High Park. Ça va être génial. Bienvenue à Louvre Muséum. En l'honneur de la Sainte-Nicolas, l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Profitez de votre visite. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Lausanne. Ce train continue à destination de Genève. Correspondance Intercity pour La Chaux-de-Fonds, prochain départ 14h45 voie 3. Correspondance Interregio pour Fribourg, prochain départ 15h20 voie 1. Chers festivaliers, bienvenue au Festival de la Nuit étoilée. En raison de la météo aride, il est formellement interdit d'allumer des feux et de faire des barbecues dans l'enceinte du festival ainsi que sur l'aire de camping. Merci également de faire très attention à vos cigarettes. Chers visiteurs, votre centre commercial Montagne Québec est partenaire du Festival d'hiver de montagne. Jusqu'au 15 février, à l'achat de 150 $ en carte cadeau, recevez deux passes au Festival d'hiver de montagne d'une valeur de 60 $. Rendez-vous au service à la clientèle pour tous les détails. Bonjour, j'ai vu votre annonce concernant un atelier de peinture. Je suis intéressé, mais je voudrais plus de renseignements. Pourriez-vous me rappeler au 06 12 34 56 68? Crystal Prep. Salut Daniel, j'espère que tu vas bien. Mon vélo est encore en panne, le problème n'est pas résolu. Est-ce que tu pourrais regarder une dernière fois? Bon, je te rappelle, bisous. Bonjour. Ici, le club cycliste du Grand Toronto. Vous avez rempli le formulaire d'inscription à la balade cycliste,
mais il manque un justificatif concernant votre vélo. Pouvez-vous nous rappeler au 416-922-2672? Oui, bonjour. J'ai commandé un piano chez vous. Je l'ai reçu hier et je n'arrive toujours pas à le faire marcher. Pourtant, j'ai tout installé correctement. Ça fait deux fois que j'appelle. Est-ce vous pouvez me rappeler? Je suis Monsieur John. Merci. Bonjour, c'est Yvan, de Vélo Express. Je vous appelle concernant votre balade prévue demain matin à 7h. À cause des travaux à la piste cyclable Montréal-Berry, le départ se fera devant le musée d'art contemporain, juste en face de la gare. Merci de votre compréhension. Oui, bonjour. Ici, Amélie Dubois, de l'Académie des Arts du Sénégal. Nous nous sommes rencontrés au Salon des Entrepreneurs. Vous étiez intéressés par des cours d'art pour vos collaborateurs. Je serai ravie de venir vous présenter nos offres. N'hésitez pas à me rappeler. Personne 1. Il y a l'origine locale. Ça, c'est bien pour soutenir l'économie locale. J'en achète parfois, si c'est pas trop cher. Personne 2. Je ne consomme que des produits garantissant le bien-être animal. Et pour ça, il faut de la transparence. Donc des produits avec une origine claire. C'est pas compliqué. Personne 3. Du bio provenant de l'autre bout du monde, non merci. Faut arrêter avec ces concepts marketing. Je privilégie le local, le fait maison. Crystal Prep. Personne 1. Je vis à Alger pour le travail, mais depuis 10 ans, je mets de côté tout ce que je peux pour construire une maison dans mon village natal, en Kabylie, et y passer ma retraite. Personne 2. J'aimerais bien pouvoir économiser un peu chaque mois, ne serait-ce que pour payer des vacances sympas à mes enfants. Mais honnêtement, c'est compliqué. Et en cas de gros soucis, j'ai un peu peur. Personne 3. J'ai commencé à travailler très jeune, et j'aimerais que mon fils ait un meilleur métier que moi. Mais les études, c'est dispendieux. Il a que 12 ans, mais faut déjà prévoir. Le champagne. De l'or à boire, du rire liquide, champagne. Le vin le plus connu, le plus aimé, le plus fin, le plus joyeux, un feu d'artifice. Et pourtant, à l'origine, le champagne était un vin tranquille, sans bulles ni fracas. Avec déjà toutefois un atout singulier, on disait de lui qu'il rend heureux. Louis XIV, le roi Soleil, ne s'y était pas trompé, il s'en était entiché et avec lui était née la mode des vins de champagne. Tiré de cépages bien particuliers, nourri d'une région parfaitement délimitée.
tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. La tomate est un fruit, mais la controverse est allée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis à la fin du 19e siècle pour une question de droit de douane. À l'époque, seuls les légumes étaient taxés et les autorités du port de New York refusaient de croire que la tomate était un fruit pour une question d'argent. La Cour suprême a tranché en leur faveur en décrétant que la tomate était un légume et peu importe la botanique. Claudie Aigneret, je vous cite, « Redonner aux jeunes le goût des sciences et des techniques. » C'est l'objectif du rapport que vous avez remis au ministre de l'Éducation nationale. En introduction, vous écrivez « Bien que la voie scientifique au lycée demeure l'orientation d'excellence et compte plus de 50% de filles, moins de 20% des bacheliers scientifiques s'inscrivent dans les filières d'enseignement supérieur scientifique, avec une sous-représentation persistante des filles. » Est-ce qu'on a une explication à ce phénomène ? On constate en France, en Europe et dans d'autres pays du monde qu'il y a une désaffection pour les métiers de la science et les carrières de chercheurs ou d'ingénieurs, alors que c'est une priorité dans cette économie de la connaissance que d'avoir toutes ces intelligences mobilisées. On parle des filles, parce qu'effectivement les filles sont très présentes en terminale scientifique, mais elles ne s'engagent pas vers des métiers, disons, de sciences dures. Elle s'engage vers des sciences plus liées au social, par exemple. Pourquoi cela ? Peut-être parce que l'enseignement des sciences à l'école ne donne qu'une vision imparfaite et peu actuelle de ce que sont réellement ces métiers. Il faut revoir cet enseignement pour rendre ces métiers plus attractifs en les présentant tels qu'ils sont, avec toute la passion que ces projets peuvent susciter. Et puis, l'éducation, cela se fait en dehors de l'école. Aujourd'hui, on reçoit un flux d'informations extrêmement importantes. Et justement, la démarche scientifique, les métiers de la recherche, c'est d'être dans l'investigation, dans l'analyse critique de ces données. Il faut présenter cet aspect-là et sans doute travailler, à côté de l'école, à redonner le goût des sciences et des techniques aux jeunes. Claudie Aigneret, je vous cite, « Redonner aux jeunes le goût des sciences et des techniques. » C'est l'objectif du rapport que vous avez remis au ministre de l'Éducation nationale. En introduction, vous écrivez « Bien que la voie scientifique au lycée demeure l'orientation d'excellence et compte plus de 50% de filles, moins de 20% des bacheliers scientifiques s'inscrivent dans les filières d'enseignement supérieur scientifique, avec une sous-représentation persistante des filles. » Est-ce qu'on a une explication à ce phénomène ? On constate en France, en Europe et dans d'autres pays du monde qu'il y a une désaffection pour les métiers de la science et les carrières de chercheurs ou d'ingénieurs, alors que c'est une priorité dans cette économie de la connaissance que d'avoir toutes ces intelligences mobilisées. On parle des filles, parce qu'effectivement les filles sont très présentes en terminale scientifique, mais elles ne s'engagent pas vers des métiers, disons, de sciences dures. Elle s'engage vers des sciences plus liées au social, par exemple. Pourquoi cela ? Peut-être parce que l'enseignement des sciences à l'école ne donne qu'une vision imparfaite et peu actuelle de ce que sont réellement ces métiers. Il faut revoir cet enseignement pour rendre ces métiers plus attractifs en les présentant tels qu'ils sont, avec toute la passion que ces projets peuvent susciter. Et puis, l'éducation, cela se fait en dehors de l'école. Aujourd'hui, on reçoit un flux d'informations extrêmement importantes. Et justement, la démarche scientifique, les métiers de la recherche, c'est d'être dans l'investigation, dans l'analyse critique de ces données.
Il faut présenter cet aspect-là et, sans doute, travailler, à côté de l'école, à redonner le goût des sciences et des techniques aux jeunes. Crystal Prep. L'Association Générale Sportive de l'Enseignement vient de terminer son colloque dont le thème était cette année « Parrain, école, sport, agir ensemble contre la violence ». Nous accueillons ce matin sa directrice, Madame Focard. Bonjour Madame, quel est votre sentiment à l'issue de ces 3 jours de discussion? Eh bien, je suis heureuse de la qualité des rencontres qui ont eu lieu. Nous avions convié des sportifs de haut niveau, des pédagogues et des parents d'élèves qui se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les enjeux éducatifs du sport. Il en est ressorti une analyse très pertinente des aspects positifs du sport à l'école et de ses dangers aussi. Ces dangers? En général, on met seulement en avant les vertus du sport. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui. Prenez les compétitions, par exemple. Chez certains jeunes, au nom de la performance à n'importe quel prix, elle suscite bien souvent une violence principalement verbale, mais aussi parfois physique. Ils se retrouvent en dehors des murs de la classe, en rapport direct avec l'autre, et leur volonté de victoire leur fait oublier les principes les plus élémentaires de respect de l'autre. Quelles mesures peuvent être prises pour canaliser cette violence? La création d'équipes d'éducateurs et de parents d'élèves volontaires qui, grâce à leur cohérence et à leur responsabilité, remettent à l'ordre du jour le respect des règles, le respect de l'autre, le respect du corps et le développement de la confiance en soi. Crystal Prep. L'Association Générale Sportive de l'Enseignement vient de terminer son colloque dont le thème était cette année « Parrain, école, sport, agir ensemble contre la violence ». Nous accueillons ce matin sa directrice, Madame Focard. Bonjour Madame, quel est votre sentiment à l'issue de ces 3 jours de discussion? Eh bien, je suis heureuse de la qualité des rencontres qui ont eu lieu. Nous avions convié des sportifs de haut niveau, des pédagogues et des parents d'élèves qui se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les enjeux éducatifs du sport. Il en est ressorti une analyse très pertinente des aspects positifs du sport à l'école et de ses dangers aussi. Ces dangers? En général, on met seulement en avant les vertus du sport. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui. Prenez les compétitions, par exemple. Chez certains jeunes, au nom de la performance à n'importe quel prix, elle suscite bien souvent une violence principalement verbale, mais aussi parfois physique. Ils se retrouvent en dehors des murs de la classe, en rapport direct avec l'autre, et leur volonté de victoire leur fait oublier les principes les plus élémentaires de respect de l'autre. Quelles mesures peuvent être prises pour canaliser cette violence? La création d'équipes d'éducateurs et de parents d'élèves volontaires qui, grâce à leur cohérence et à leur responsabilité, remettent à l'ordre du jour le respect des règles, le respect de l'autre, le respect du corps et le développement de la confiance en soi. Docteur Vincent Roubaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Alors, qu'est-ce qui distingue la migraine d'une céphalée classique, d'un mal de tête, comme on dit dans le langage courant? Tout à fait. Donc, d'abord, la migraine est une céphalée particulière, puisqu'elle doit répondre à certaines caractéristiques. Notamment, elle s'installe progressivement. Elle est le plus souvent unilatérale. Elle peut durer 4 heures à 3 jours. Donc, c'est
particulièrement long. Elle bat, généralement on dit qu'elle est pulsatile. Elle s'accompagne le plus souvent de nausées, vomissements, d'une gêne à la lumière ou d'une gêne au bruit. Et elle a tendance à être intensifiée par l'activité physique. Elle se caractérise aussi par son terrain, parce qu'on sait qu'elle est plus fréquente chez la femme. Elle touche 3 fois plus la femme que l'homme. Elle apparaît le plus souvent avant l'âge de 40 ans, chez 9 patients sur 10. Et elle peut être précédée de sensations prémonitoires, à type de somnolence, de fatigue, de faim, de douleur abdominale. C'est en ça que c'est une céphalée particulière. Bonjour Lucie. Bonjour Pascal. Une expression de saison aujourd'hui. Oui, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de venir à la radio pratiquement dans le plus simple appareil. Pratiquement. Pratiquement. Dans le plus simple appareil. Donc qu'est-ce que ça vous évoque cette expression Pascal? AOLP. On en parle tout de suite avec Jean Pruvot. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Alors être dans le plus simple appareil, les enfants ne connaissent pas toujours le sens de cette expression. Il faut dire que quand on pense à un appareil, on pense à une machine complexe. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Non, alors en réalité, il faudrait chercher dans le mot appareil le verbe appareiller, et dans le verbe appareiller, le verbe parer, se parer, s'habiller. Et le latin apparare, d'où est venu appareiller, qui a donné appareil, voulait dire se préparer. Ça nous surprend un peu maintenant, évidemment, ce mot, mais on s'appareillait pour une cérémonie. Donc on se mettait sur son 31 et paré de ses plus beaux bijoux. Et les apparats. Voilà, et c'est là que le mot appareil donc est devenu synonyme de préparatif. On parlait d'un appareil de cérémonie, c'est-à-dire avoir une apparence magnifique, se préparer. Il y a eu aussi l'appareil funèbre, là c'est moins joyeux, mais on voit bien qu'il ne s'agit pas d'aller sans être bien habillé, très correctement, pour un enterrement. C'est-à-dire être appareillé ou l'appareil, c'était vraiment quelque chose de beau, de soigné. Oui, parce qu'au XVIe siècle, le haut appareil, c'est l'armure complète. Oui, c'est ça. Et puis, on voit bien que l'appareil suppose des degrés. Le plus haut appareil, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, là, pour le chevalier, de manière militaire. Et de l'autre côté, il faut ce qu'il y a de plus simple. Alors, ce qu'il y a de plus simple, évidemment, là, on va au plus cru, c'est être tout nu. Mais entre les deux, bon, y a un appareil modeste, ça c'est pas trop mal non plus. Cette expression, quand même, dans le plus simple appareil, elle est née assez tardivement, au XVIIe siècle. Et c'est une expression qu'on utilise encore. Oui, vraiment, oui, oui. Il faut se souvenir qu'au moment où nous rédigions la déclaration, on était encore sous le poids des événements de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de violations des droits de l'homme, non seulement du côté de l'Axe, mais bien entendu aussi du côté des alliés victorieux. On ne mène pas une guerre sans violer des droits de l'homme. Des opérations comme le bombardement de la ville de Dresde en Allemagne, plus encore la bombe atomique Hiroshima, Nagasaki, pesaient lourdement sur la conscience de ceux qui travaillaient à la déclaration. Et il est certain qu'ils ont voulu montrer
qu'ils étaient conscients de ces défauts et qu'ils voulaient en quelque sorte se rattraper en disant « bon, ça a été la guerre, mais maintenant nous allons vers une reconnaissance beaucoup plus fondamentale des droits des individus ». Que c'est que ça, le savon de Marseille? On a tendance évidemment à penser que c'est du savon fabriqué à Marseille, dans la région de Marseille. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien non, parce que l'appellation savon de Marseille n'est pas ce qu'on appelle une AOC, c'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée. Savon de Marseille, cela correspond à un certain processus de fabrication, quelle que soit la région où on fabrique ce savon. Alors, est-ce qu'on peut avoir du savon de Marseille fabriqué à Bordeaux ou à Pantin, ou à Pékin? Eh bien oui, on peut, parce que la fabrication de ce savon n'est pas reliée à un climat particulier, ni à des éléments qu'on ne trouverait que dans la région indiquée. Le savon de Marseille n'est donc pas comparable, par exemple, au camembert de Normandie, qui doit être fabriqué, élaboré en Normandie, ou au Roquefort, au fromage de Roquefort, qu'on fabrique dans la commune ou juste à côté de cette commune du sud de la France, du sud-est, Roquefort. Est plus insidieux, on voit moins directement les impacts parce qu'on n'a pas de gelure comme dans le froid. Par contre, ça impacte énormément le système physiologique général, la thermorégulation, et va provoquer potentiellement des dégradations qui vont devenir dangereuses. Par contre, on a plus un impact visible sur le comportement. On voit que les personnes sont moins aptes à réguler leurs émotions. Des réactions plus extrêmes. Plus directes. On a moins de filtres. Dans un milieu chaud où on a une dégradation de nos fonctions cognitives, on va peut-être être un peu plus réactif vis-à-vis des autres. Unique de la notion de bien manger. Pour moi, pour bien manger, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. En premier lieu, il faut bien sûr appliquer les recommandations nutritionnelles qui vont permettre d'adopter une alimentation équilibrée et diversifiée. Alors, ces recommandations suivent 5 grands principes qu'on rappelle souvent. Réduire la consommation de graisse, de sel et de sucre. En parallèle, augmenter fortement la consommation de fruits et de légumes. Réduire au maximum la consommation d'aliments transformés et ultra transformés pour préparer le plus possible soi-même les plats à partir d'aliments bruts ou faiblement transformés. Limiter au plus possible les grignotages et enfin boire principalement de l'eau et éviter au maximum toutes les formes de boissons sucrées. Maintenant, ces recommandations nutritionnelles permettent de savoir quoi manger, mais pour bien manger, il faut aller aussi plus loin et prendre en compte 3 autres notions très importantes. Identifier pourquoi on souhaite manger, choisir dans quel environnement on va manger et enfin ne pas oublier que manger doit être un plaisir. On voit bien qu'il y a quand même une partie de la population américaine qui va pas très bien, en particulier dans les zones sinistrées. Donc, d'un autre côté, on a eu l'impression que le gouvernement a fait payer les citoyens américains pour sauver l'industrie financière. Je pense que derrière, il y avait l'idée d'urgence de sauver l'effondrement du système financier, parce qu'il n'y a rien de plus grave. Enfin, si on détruit le système financier du jour au lendemain, il n'y a plus d'intermédiation financière. L'économie ne peut plus marcher. Donc ça avait été là l'urgence, ça a été de sauver ce système financier.
Tout à fait. C'est une application mobile qui aide les commerces de proximité citadins à vendre à temps leur surplus alimentaire. Et pour ça, ils le mettent en promotion sur l'application, quelques heures avant la fermeture d'un magasin. Et nous, on diffuse ces promotions aux clients Optimiam qui ont l'application et qui sont autour des magasins pour qu'ils viennent en bénéficier à prix réduit tous les jours et aider le commerçant à vendre à temps des produits frais et consommables. En fait, moi, l'idée m'est venue de par une rencontre où j'ai rencontré un vendeur de sushis qui accostait bruyamment tous les passants du magasin. Moi, 50% sur mes sushis, acheté un offert. Et là, moi, bien sûr, ça m'intéressait parce que je suis redevenue étudiante en temps. Moi, je n'avais pas les mêmes moyens financiers. Donc, une promotion de ce type m'a forcément interpellée. Et là, je lui demande pourquoi cette promotion. Il me dit, je ferme dans 2 heures. C'est des produits frais. Je préfère les vendre moins cher que les jeter. Super initiative, mais il fallait être au bon moment, dans la bonne rue, au bon endroit. En fait, par exemple, en Normandie, il y a un taux d'humidité assez important. Donc, on a très peu d'élevage de chèvres. On va avoir beaucoup plus d'élevage de vaches. Et on fait surtout dans le crémeux. On a l'Aveyron, une autre région productrice bien définie, qui, elle, va être plus axée sur des fromages type brebis ou chèvre. Okay. C'est dû au terroir particulier qui favorise plutôt ce type d'agriculture et donc après un fromage qui va en découler. Donc vous avez par exemple aussi la Bourgogne. Ils ont des vins qui sont en général assez puissants et tous leurs fromages sont assez puissants également, comme les poisses, le langre, etc. Crystal Prep. L'immigration est une partie de la population française. C'est une composante importante de la croissance de la population française en âge de travailler, de notre force de travail potentielle. Donc l'immigration fait partie de l'économie française et de ce qu'on sait en termes d'évaluation d'impact économique, que cette migration, elle s'est pas traduite par une augmentation de chômage. Les migrants ne sont pas responsables des difficultés économiques des Français dans leur ensemble. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambres mortuaires. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. L'objectif, c'est d'avoir une harmonie de silhouette. Une harmonie de silhouette, chez une femme, ça s'obtient quand on a une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille qui est marquée le plus possible. D'accord ? Okay. Regardez-vous dans le miroir. Vous mettez comme ça. Vous avez les épaules plus étroites que le bassin. Et vous n'avez pas une taille qui est très marquée. D'accord ? Donc, première chose, on va élargir les épaules pour rééquilibrer avec le bassin. Deuxième chose, on va essayer d'avoir des formes qui sont cintrées. Et enfin, le tout en essayant de structurer la silhouette. Le fait de mettre des épaulettes ou d'avoir une veste ou un gilet ou une matière qui se tient toute seule, ça va structurer une silhouette et ça va la rendre plus harmonieuse. D'accord ? Ah, okay. Je vais vous faire essayer 2-3 choses pour vous montrer. D'accord ?